C'est laisser glisser. La roulade avant, comment la faire? Alors, il y a plusieurs écoles. Moi, je vous montre ce que je connais, hein, ce qui fonctionne. Et on peut faire ça différemment. Ce qu'il ne faut pas, c'est comme beaucoup font, c'est mettre la tête la première, faire ça. Et tomber, dire « Ah, ben ça fait mal, hein ?» Évidemment. Et il faut savoir qu'il y a des clubs qui font faire ça aux enfants. Hein. La tête la première. Bravo, la pédagogie. Après, on s'étonne que les adultes, ils deviennent bizarres. Je plaisante. Bref, on s'en fout. Ici, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'il faut rouler sur l'épaule. Il ne faut pas rouler sur la tête. Donc, vous allez mettre vous-même comme ceci. Il y a plusieurs écoles. Comme si vous aviez des roulettes sous les doigts. Et vous laissez glisser. Donc, dans l'idée, c'est ça. Vous prenez normalement par debout. Donc, vous allez absorber et glisser. Et il faut, en fait, il ne faut pas hésiter. Si on hésite, ça fait une espèce de vieille tortue qui n'ose pas sauter une barrière. Après, vous reconvertissez dans le hip-hop. Après. Donc, ce qu'il faut, c'est pas mettre le coude. C'est laisser glisser. D'accord? J'ai fait quelques années au cirque russe aussi. Je déconne, comme d'hab. Alors, ici. Ça va faire ça. D'accord? Vous allez avoir 5 bonnes minutes pour le faire. Vous roulez sur l'épaule. D'accord? La chute arrière, c'est plus chiant. Là, il ne faut pas hésiter. Il faut rouler toujours pareil sur l'épaule. Vous allez mettre votre tête sur le côté. Et vos jambes vont passer de l'autre côté. Si vous pouvez, vous mettez vos mains. Peu importe. Moi, ce que j'aime bien vous faire travailler, c'est le plus dur, c'est sans les mains. Donc, vous êtes obligé. Certes, vous restez un quart d'heure sans trop réussir à passer. Mais à un moment donné, vous allez passer, vous aurez tout compris. Donc, un bon petit quart d'heure de galère, mais après, c'est fait. Ou alors, vous avez peut-être une heure où vous allez mal le faire. Dans l'idée, il faut un peu d'impulsion. Tournez la tête. Hop, et vous passez. Salut à toi, c'est Alexandre, j'espère que tu vas bien. Si tu visionnes cette vidéo, c'est que je suppose qu'on a une passion en commun qui sont les arts martiaux ou la self-défense. Eh bien, tu vas être content, reste attentif à ce qui va suivre parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner un accès gratuit à une formation en ligne de self-défense. Alors, si tu ne me connais pas, tu verras, on aura l'occasion de faire connaissance à travers mes différents modules de formation donc que je t'offre donc pour te souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Alexandre Lacarrière, je suis un très grand fan, passionné, voire obsédé des arts martiaux de la self-défense. Donc, comme je viens de te le dire, pour te souhaiter vraiment la bienvenue parmi ma communauté de de self-défense et d'arts martiaux, je souhaite t'offrir une formation en ligne. Comme tu le verras, c'est du contenu vidéo qui va t'aider considérablement à booster ta pratique de la self-défense au niveau supérieur. Tu y retrouveras donc des exercices, des techniques et des principes issus de mon expérience multidiscipline de plus de 25 ans donc dans la pratique des arts martiaux ou de la self-défense. Alors c'est 100% gratuit, tout ce que tu as à faire pour en profiter, c'est tout simple, tu cliques sur le lien qui est en description donc de cette vidéo, tu vas atterrir sur une page où il te suffira de rentrer ton prénom et ton adresse email et puis je t'enverrai instantanément donc ton cadeau de bienvenue, ta formation offerte sur ton adresse email. Voilà, donc je t'invite à t'inscrire dès maintenant parce que c'est peut-être pas une offre que je vais laisser longtemps en ligne. Et puis donc je te dis, moi, me concernant, je te dis à tout de suite dans ton adresse email pour consulter ta formation vidéo offerte. À tout de suite.